Et c'est joué le scorpion. Salut et bienvenue, on se retrouve sur le 40e épisode de Assassin's Creed Valhalla. Et donc là, notre objectif sera d'aller tuer le personnage dénommé la sangsue. Et donc on va se diriger vers les quais, qui sont à 200 mètres. Et il y a quelqu'un avec une clé, ou alors c'est la clé qui se trouve être pas trouvable. Ah non, c'est une autre clé. Il y a des clés partout dans la ville. Oh. Bouge, lâche, va-t'en. Attaque. Allez, mange. Mais non. Qui est-ce qui enferme des cobras dans des jarres? Bon. Tabes et Feli sono tumuit armis venit pluviali. Vel fortibis oida amores necne. Est-ce là l'œuvre de la sangsue? Oui, de nouveaux corps chaque jour. Combien de cadavres cela fait-il? On en a trouvé une vingtaine, clairement victimes de la sangsue. Comment peux-tu en être certain? Ils avaient les yeux arrachés, les orbites vides, comme les gardes de Trigre. Il y a pourtant des centaines d'hommes qui passent ici chaque jour. Personne n'a rien vu. Nous sommes sur la berge. Le lieu des pires activités de la ville. Stowe a vu la même chose. Il n'y a pas que sur les quais. Comment va ce cœur de moineau? Je m'inquiète pour lui. Mollasson, mais intègre. Il m'a aidé à trouver Avgos. Cela me suffit. Avgos. J'avais un pressentiment à propos de cette vipère. J'aurais dû agir. As-tu aussi des pressentiments à propos de la sangsue? Erke! Dis-moi que ce n'est pas elle! Ce n'est pas ta fille, ma bonne Guida. Calme-toi. Oh, merci, Freya. J'avais tellement peur de la retrouver ici. Elle fait des courses, parfois la nuit, pour un forgeron qui l'envoie sur les quais. Cela me terrifie. Elle travaille pour un forgeron. Pourrais-tu me dire lequel? Elle ne m'a jamais dit son nom, ni où il travaille. Elle ne me confie jamais rien, cette tête de mule. Cela fait deux jours que je ne l'ai pas vue, et je crains le pire. À Lunden, le pire est toujours à craindre. Qu'est-ce qu'elle faisait comme travail? Des courses, ce genre de choses. Elle livrait des objets, en touchait le prix, et retournait chez son forgeron. Tu connais le nom de cet homme? Non, mais j'aimerais bien. Je lui arracherai les oreilles et les noix. Te souviens-tu d'autre chose? Une voisine m'a dit un jour qu'elle avait vu Regna traîner un moment sous le pont de Lunden. Cela m'a retourné les sangs. C'est un bon début. Merci beaucoup, Guida. Un forgeron, une enfant disparue. C'est une piste assez solide. Le pont de Lunden, de nuit. Cela mérite un coup d'œil. Bien. Moi, je vais rester ici, pour assurer le calme. Et Eivor, sur ces quais, reste bien sur tes gardes. Je ne baisse la garde pour personne. Alors, nouveau point rapide de bateau. Alors, cachez-vous derrière une caisse. Alors, je suis dans la zone. Voilà, je suis caché. Sois mes yeux, Zinid. Ok, je suis pas du tout à bonne place. Pourquoi ils ont peur quand ils me voient courir? Send on some voice.
Pas très discret. Je vais le suivre et voir où cela me mène. Bon, il est plus que parano là. Ce crétin ne peut pas aller plus vite. Est-ce que c'est là ou... Non, il prend son temps. Garnison de Baldisburg. J'ai déjà tué tout le monde à cet endroit-là, mais apparemment ils sont réapparus. Bon. Il y a encore des cadavres d'ailleurs. Bon, où est-il? Tu as la bourse que j'attends. Hein? Mais tu es qui, toi? Je suis un ami, Oya. C'est ton garçon qui a ton argent. Qu'est-ce que tu as fait de lui? Je l'ai mis en lieu sûr. Il avait l'impression d'être suivi. Ah, je savais qu'il ne valait rien. Pas comme cette fille. Elle avait les nerfs solides, elle. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Tombée malade, il y a quelques jours. Alors je l'ai envoyée à Sœur Frideswyd, une guérisseuse. Sœur Frideswyd. Que ce soit un os brisé, un nez qui coule, une verrue aux fesses, ou trop de sang de lunaison, elle peut tout arranger. Elle doit avoir besoin de nombreux instruments pour ça. Ah, ça oui. Et elle les a, les instruments. Elle vient me voir avec sa liste et je lui fabrique tout ce dont elle a besoin. Tu lui fabriquais, tu vas dire. Allez ! On nous attaque ! Surveillez mes arrières ! Pas la bonne attaque que j'ai faite. Ah,
Ok, il y a un peu de forgeron. Est-ce qu'il y a des choses à ramasser là-dedans? Non. Cloche. Ah non, elle est pas brisée. Faut la rebriser et la réparer. Surtout, attention à toi. Heure de plaquer. Faire monter les aisselles. Chirurgie esthétique. Ici. Ah c'est bon, je l'ai vengé déjà. Puisses-tu festoyer au Valhalla? Et ça donne du de l'XP ça. 100 points. Ok. Bon, on reprend notre quête ici, saigner la sangsue. Combien c'est gardé. XP en plus. Allez hop, range ta hache. Alors, la zone, elle est où? Non, non, non! Mais jeu de merde! Bon, apparemment, il m'a remis juste après le combat avec les gardes, là, donc ça va, c'est pas si pire. Donc, on va aller retourner, rentrer dans cette, dans la ville. Je pense qu'il faut que je resélectionne mon objectif. Non, c'est bon. Alors, faut que le cercle diminue. Ok.
Ok, est-ce qu'il me donne plus de précision ou... Faut que je me rapproche. Ok, donc c'est vraiment dans ce bâtiment-là, mais je pense pas que je vais avoir plus de précision. Donc soit je rentre et je fais un beau gros carnage, ou soit j'essaie d'y aller discret. On va essayer la discrétion. C'est là que la sangsue mutile ses proies. Pas rentrer là. Bon, c'est une fenêtre où on a la possibilité d'entrer. Puis non. Ici, c'est condamné. Je vais t'ouvrir le crâne. On y est presque. Hey, viens, 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 je t'attends. Eh bien, bien, bien. Regardez-moi.
Alors... C'est juste du tissu là, tu peux pas passer au travers. Confirmer sa mort. Encore un autre, et c'est tout. J'ai presque terminé. Cela suffit. C'est toi. Pour tous les morts que nous collectons, ma chère sœur, nous sommes égaux. C'est un vrai charnier. Je ne les compte même plus. J'imagine que je me suis laissée emporter par mes recherches, mais sans penser à mal. Les anciens, les arbitres, ils nous ont conçus à partir de morceaux. Si faciles à briser et difficiles à réparer. On doit pouvoir améliorer tout ça. Nous devrions être plus forts, plus rapides, plus futés. J'aurais pu arranger cela, nous rendre meilleurs. Nous sommes faits de sang, d'os et d'esprit, Friedeswied. Et parfaits comme cela. Tu as de si beaux yeux. Termine. Veux-tu ? Vraiment glauque ces morts là. Bon, alors, on va essayer d'aller chercher le truc bleu là. Pour savoir comment on passe de l'autre côté. Est-ce qu'il y a pas de monter ? Ah bah oui, tout simplement. Une jeune fille. Alors, note de la vivisection. Jeune fille de 16 ans, paysanne appelée Regna, un œil bleu, un œil vert, la marque des anciens. Quels secrets sont enfermés dans cette prison de chair et d'os? Donc, elle a dû être charcutée, la fille, malheureusement. Ah, ok, puis elle est juste là sur la table en plus. Super. Bonjour toi. Bon. 300 mètres à peu près. On peut essayer de résoudre le mystère qu'il y a là-bas. Il est pas trop compliqué, ça donnera un pas mal d'XP. Alors le chien, il faut faire que le chien. Rien. Il paraît que le Gildan Sparrow n'apportait pas que des douceurs et des épices d'Axum.
Il y a un trésor englouti dans ce port ? Oui, mais le courant est trop fort pour sortir l'épave, alors il n'y a plus qu'à se lamenter. L'affaire t'intéresse ? Je sais nager, et je n'ai pas peur du froid, du courant ou des dringres des profondeurs. Alors, je suis sûre qu'on pourra trouver une récompense si tu remontes la cargaison. Ok, bon, on va essayer de plonger. Ce doit être l'épave du Gildan Sparrow dont parlait cette marchande. Eh ben, non, c'était pas compliqué. Un coffre avec un trésor. Un autre avec ce message en bouteille. Espérons qu'elle a préservé le texte. Un message dans une bouteille ? C'est malin. Le collier est caché dans une panse de vache. Bon, je crois que tu vas devoir retourner chercher le reste du trésor. Ok, mais la vache, elle serait où ? Ah, ça m'énerve que c'est pas assez précis. Vache sur le bateau. Ok, donc là il n'y a vraiment rien. Un message dans une bouteille. Ok, bah moi qui pensais ça que c'est facile, et non! Que dirais-tu d'une partie de deux? Non, je veux une vache. Mieux vaut attendre la nuit. Pour... saigné la sangsue. Et tu as découvert son nom ? Une nonne, appelée Frideswyd. Quoi ? Cette gentille sœur ? Ce n'est pas possible, c'est une sainte, une guérisseuse et... Par les dieux ! Cette semaine a vraiment un goût de purin. Ça, tu ne crois pas si bien dire. Quand je l'ai trouvée, elle faisait de la pâtée avec Regna. Bon sang ! Tu la connaissais ? Elle m'a sauvé. Je m'étais cassé une jambe, et j'ai bien cru la perdre. Mais grâce à Frideswyd, aujourd'hui ma blessure a totalement disparu. Il y aura de grands changements. Sans elle, nous en reviendrons au traitement des humeurs. Tout ça pour ça. Les secrets du corps humain. Sa manière de sauver des vies. Et comment y mettre fin ? Tout cela n'est peut-être que les délires d'une folle. Le monde est plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est vrai. C'est bien vrai. Toute ma vie, j'ai privilégié la force. Sans un regret. Elle a choisi une autre voie. Elle a fait de nombreuses découvertes, mais... à quel prix ? J'ai bien envie de brûler ce maudit recueil. Qu'est-ce que tu en penses ? Il contient des remèdes pour tout. Des abcès aux fractures. Mieux vaut le conserver. Après tout... nous faisons la guerre pour ceux que nous aimons et obtenons la victoire par le sang. Ce livre est le champ de bataille de cette sœur, son royaume. Tu as peut-être raison. On ne peut pas ramener les morts à la vie, mais leurs souffrances ont de la valeur. Si tu as besoin de moi, je serai à Saint-Paul à chercher des informations sur le compas. Et merci pour tout, mon gars.
Et voilà, donc nouvelle quête, écraser le compas, et puis quête terminée, saigner la sangsue, on va gagner 5100 d'XP et on devrait passer à un niveau supérieur. Voilà, c'est exactement ça. Donc, bah tiens, on va finir en mettant les points de compétence. Donc, j'avais commencé à avancer dans l'arbre bleu pour avoir plus de boost pour... Non, c'est le jaune pour le corbeau. Ouais. Il a augmenté les attaques discrètes, mine de rien, j'en fais un petit peu. Dégâts puissants. Alors, combo à l'arc prédateur, ouais, c'est pas très utile. Dégâts des aptitudes, oui, de la vie, oui. Probabilité de critique, ça c'est au corps à corps, bah oui. Alors, trompe la mort. Esquive juste avant un coup adverse, ça affûte vos sens. Et ceux qui vous entourent semblent temporairement se passer de l'enfant. Oh, mais c'est génial! Ici, on peut augmenter les dégâts, ça je l'ai déjà. Attaque discret, hop, on augmente la voix du corbeau. Et j'ai déjà dépensé tous mes points. Ok. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo, et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cocher la cloche de notification pour ne rien manquer des autres vidéos de la chaîne, et de laisser un commentaire. Quant à moi, je vous dis à de prochaines aventures. Ciao, bye bye.